Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Forge Magie et aujourd'hui on va se faire du coup une session Craft FM sur l'amulette Illisael. Vraiment c'est une amulette dégueulasse à FM, j'appréhende de ouf la vidéo, mais pour autant j'aimerais bien en sortir une en GPerf. Mais je me suis plusieurs fois cassé les dents sur cette amulette, hein. Vraiment je trouve qu'elle est horrible à FM. C'est assez compliqué je trouve à aller chercher un bon jet ou alors c'est juste parce que j'avais pas de chance. Mais à chaque fois que je la tryhardais dans mes sessions 3% ou rien, c'était vraiment très très compliqué de sortir des bons jets. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Là j'ai un petit peu comparé le coût de craft avec le prix de vente en hôtel de vente. Et c'est bien plus intéressant d'aller la crafter normalement. Donc c'est ce que je vais faire. Comme d'habitude, j'ai rien du tout dans mon inventaire, hein. J'ai pas de runes, j'ai pas de ressources. Donc je vais acheter les ressources et les runes. Et pour vous donner un ordre de repère, je pars sur une base de 40 millions, donc c'est parti, je vais aller acheter les compos, on se retrouve tout de suite. Donc comme je l'ai dit, je pars sur une base de 40 millions, c'est parti pour acheter tous les compos, je vais essayer de faire ça rapidement, voilà, hop. Donc ça, x12, ici, x10. Et de toute façon, le plus cher dans la recette, ça va être bien sûr les galets qui sont... Ouais, ça va, ils ont un petit peu augmenté, ça va, 300 000, ça reste assez stable. Ouais, j'ai dépensé 1,5 million, le prix à l'hôtel de vente, comme vous l'avez vu, c'était 2 millions. Donc en vrai, c'est pas trop dégueu, hein. J'économise 500 000 kamas. Je vais aller acheter des runes de signature et je vais crafter l'item. On se retrouve tout de suite. C'est parti maintenant pour acheter les runes. Dans un premier temps, comme d'habitude, je vais acheter des orbes pour tout simplement être sûr que le PA repasse à 100% dans un cas de figure où j'aurai un jet dégueulasse et qu'il faudra remettre le PA. Donc ça, voilà, c'est toujours un petit tips pour économiser quelques kamas. Parce que dans certains cas, ça peut arriver de mettre 3 runes PA pour avoir le succès. Et donc, bah forcément, ça coûte assez cher. Donc, autant mettre une orbe. Et je vais skip, hein, de toute façon, l'achat des runes. On fera le point à l'atelier dans quelques instants. Là, je vais acheter toutes les runes et du coup, on fera le point. Donc, c'est bon, j'ai acheté toutes les runes. Je pense que j'ai visé assez large. Hein, mais bon, vu le calvaire que c'était cette amulette, j'ai préféré viser large. J'ai dépensé 5 millions de runes. Et j'ai mon amulette, donc c'est parti. Comme d'habitude, de toute façon, on est toujours sur le même type de format, hein. À chaque fois, je vous propose uniquement les moments les plus importants de la session. Donc, à savoir, une fois que le PA aura sauté, je remonterai le jet et après, je ferai la tentative repassage PA. Pour les repassages PO, en vrai, je vous fais quasiment jamais de tentative parce que je trouve que j'ai pas assez de puits pour sortir un bon jet. Après, bon, peut-être qu'il y en aura des tentatives PO, hein. Mais voilà, c'est suivant le jet. Donc, si j'arrive à sortir un jet perf, c'est parti pour la session, hein. Donc let's go, on se retrouve une fois que le PA aura sauté. Ah bah justement, le PA vient de sauter et je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'acheter des pachas et des pas-âges. Donc je vais acheter ces deux types de runes et on se retrouve après du coup pour tenter de sortir ce jet perf. Ok, donc c'est bon, j'ai tout. Et en fait là, ce qui est très très chiant avec cette amulette, c'est qu'à chaque fois, très souvent, on est obligé de passer en over pour avoir les stats élémentaires full perf. Et voilà, ça coûte assez cher. Donc là c'est bon, mais en plus je peux récupérer avec rien du tout, j'ai pas acheté de rune vie non plus, c'est un peu chiant là. Je vais mettre une rune H, de toute façon elle passera jamais, voilà. Là en fait faut que je crit à la Pado R. Ouais bon bah c'est mort, pour espérer sortir un GPerf. Là à mon avis j'aurai jamais le puits nécessaire, mais bon on va quand même tenter, hein. Ok, et donc là faut spam l'esquive, mais normalement, ouais voilà ça passera pas. Donc là par exemple, typiquement c'est le meilleur cas de figure, je mets une orbe parce que ça sert à rien de mettre un PA vu que j'ai pas envie de valider ce jet là, pour pouvoir économiser des kamas et être sûr que le PA repasse. Donc on continue la session, à tout de suite. Ok, j'ai mon PA qui a sauté, là ça risque d'être assez compliqué en vrai. J'aimerais bien perf la sagesse, de toute façon je veux le jet perf, voilà ok c'est cool. Là je pense que je vais récupérer avec une perfeu. Parfait, en plus je la récupère. Là en fait, comme je vous l'ai dit, hein, le plus compliqué ça va être les stats élémentaires. Il me faut un double over, ok. Là je vais mettre une hage, et là ça risque d'être chaud. Ok, ça va, ça passe en deux tentas. Est-ce que je peux récupérer sur... Je pense que je vais récupérer sur dommage. Voilà, parfait, ça crit en plus. Ok, excellent. Très bon cas de figure, parfait. Là je vais sortir un GPerf les gars, hein, let's go. Let's go, là c'est sûr, normalement je sors le GPerf. Allez. Ah, j'ai peut-être parlé un peu trop vite là, le karma qui me rattrape. Ah, c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Ouais, dommage. Franchement, le karma, j'aurais pas dû parler parce que là, je sortais le GPerf. J'ai même pas envie de tenter un PA parce que ça va me foutre encore plus le seum si la rune passe. Dommage. Je vais continuer, hein. Donc là encore, c'est plus intéressant de mettre une orbe. Ok, nouveau PA qui vient de sauter. Là, à mon avis, ça va être très très compliqué, hein. Vu mes deux lignes élémentaires, en plus, je dois perf la sagesse. Ok, ça passe en crit, donc en une tenta, c'est cool.
Je récupère en plus sur la rune résistance. À mon avis, là, je pense que je vais faire comme la première tenta. Essayer d'avoir le crit à la pad OR pour être sûr de perf le jet. Ok, j'ai de la chance. Donc là, je peux récupérer avec l'esquive. Ok, bon, bah, en vrai, ça va. Pour le moment, ça va. Là, même chose. Bon, c'est un peu cher. Mais bon, je peux récupérer sur le dommage. Ok, en crit. Donc là, c'est pas intéressant d'aller chercher la pad OR. Voilà, surtout avec la chance que j'ai. Vaut mieux casser l'over comme ça. En plus, j'ai pas mal de crit là, c'est cool. Donc en vrai, ça peut passer. Hein. Franchement, ça peut passer. Il me faut un crit à la ravie. Enfin, un passage à la ravie. Ok, let's go. Et là, du coup, je vais compter mon puits. Je vais voir combien il me reste de tenta. Et normalement, j'ai 15 de reliquats. Donc je vais mettre une pavie. Je vais aller chercher des runes vie. Donc là, normalement, j'ai 2 tenta vie si j'ai bien compté. 1, 2 et une tenta ravie. Qui passe pas, bon, ça reste quand même un bon jet. Là, je pense que si le PA passe, je vais casser l'over, mais déjà faut que le PA passe. Le jet est signé, ouais, allez, un petit pop. Bon, ça passe pas. Après, pas trop de regrets hein. En vrai. L'over était pas très conséquent, donc c'est ok. Je vais continuer. Hein, du coup, mon PA vient de sauter. Je suis plutôt content en vrai parce que là, je peux faire de belles choses normalement. Là encore, je peux avoir une tentative perf, je pense. Tout va dépendre de la passa. Ok, ça va, elle passe first try. Donc là, j'ai 3. Ben, je peux récupérer avec une page. Voilà. Donc là, c'est propre en fait parce que j'ai déjà ma chance au max. Je pense que je vais tenter la pad OR. Ok, qui passe en crit, parfait. Donc là, voilà les résistances. La double raage. Et donc là, faut spam ravi. Ok, pas beaucoup de réussite. Hein. Dommage. Dommage, dommage. Voilà, on va continuer. Hein. On va mettre une orbe et on va continuer la session. Là, en vrai, j'ai une belle tentative sur puits PO, donc je vais tenter. En fait, tout va dépendre parfait de la raage, donc elle passe. En vrai, il y a moyen, hein, y a moyen de sortir un G-perf sur un puits PO. Donc là, il me faut le crit à la ravie. Et ben voilà, donc j'ai 29. Est-ce que je peux... Ouais, non, je crois que je peux pas casser l'over hein, avec 29. Je sais pas comment je vais faire. Mais déjà, là, c'est déjà cool. Hein. Franchement, ce que j'ai sur puits PO... je vais voir si j'ai pas la place pour une ravie supplémentaire. Non, j'ai pas la place pour une ravie supplémentaire. Par contre, j'ai 2 pavis et et 2 vies, je crois. Ouais, parfait. Donc 29, il me faut un moins 6 absolument. Moins 5, ok, je vais continuer jusqu'à avoir un moins 6. Moins 5, mais là ça commence à être chaud, ok. Je pourrais mettre une pod, mais à mon avis, vu que j'ai de l'initiative, en fait, faudrait que je mette... Je sais pas, en fait faudrait que je mette genre une chat pour casser l'ini et après mettre une pod. Ah bah merde, ça a pas marché. En plus je me prends un moins 5, je vais tenter une refeu. Un peu dégueulasse, hein. Je pensais que la chat allait taper directement dans l'initiative, ça n'a pas été le cas. Là en plus c'est un peu bourbier, ouais voilà c'est bon. J'ai retiré mon over, du coup c'est pas ouf. Hein. Franchement là pour le coup je préfère largement avoir le G-perf. Nouvelle tentative PA, là du coup c'était comme la première tentative je crois ou la deuxième. Mon PO a sauté, quand j'ai voulu remettre le PO ça a fait sauter le PA. Donc là comme d'hab hein, on va s'occuper des stats élémentaires dans un premier temps. Voilà, bon ça passe, en vrai ça passe bien, c'est cool. Là je vais mettre double vie. Ok, et du coup j'ai pas grand chose à mettre en vrai, j'ai déjà ma sagesse à 30, c'est bien. Voilà, et donc là il faut spam ravi. Continuer, hein, de toute façon, 403, j'aurai pas le G-perf. Allez, faut un pop. Ok, un pop, 453. 453, je sais pas si je peux sortir un G-perf. Il me reste 5 depuis, donc je peux pas faire grand-chose. Là, je vais regarder ce que je peux faire avec 53. En vrai, 53, je peux mettre une pa-in plus une papod. Donc déjà, je vais aller acheter des papodes. Donc là, faut pas se faire troll, hein. Faut avoir le moins 15. Moins 15, parfait. Et ici, moins 38. Voilà, parfait. Donc, première tentative, j'ai perf sur l'amulette Isaël. Allez, est-ce que je vais avoir le pop PA? Et le pop PA, bah nickel. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Donc, encore un jet validé, full perf. En vrai, j'appréhendais de ouf cet item. Mais ce qui était vraiment compliqué, c'était de sortir un jet near perf en 3%. Donc, je suis parti d'une base de 40 millions. Il me reste 4 millions de runes, donc ça m'aura coûté 3 millions de sortir un G-perf. On va regarder les prix à l'hôtel de vente, mais il me semble qu'un G-perf, c'est autour de 6 millions, je crois. Je vais regarder ça, du coup, on va faire un point ensemble. On se retrouve à l'hôtel de vente, et je vais regarder un petit peu le prix d'un G-perf. Donc, de toute façon, je vais scroll assez rapidement. Là, on est à 2 millions. Ok,
pas de jet perf. De toute façon, dans les premiers jets, c'est assez rare de tomber sur des très très bons items. Et si c'est le cas, très souvent, il faut acheter l'item pour pouvoir le revendre. Ok. Donc là, on est déjà à 3 millions. Donc, c'est-à-dire ce que ça nous a coûté. Hein. Je vais continuer. Hop. Là, on est déjà à ouais, 3 millions. On a du génir perf. Hein. Mais c'est pas encore ça. Là, on a un jet pas trop mal. En 1%, moins 8 de vitalité. Ok. Ok, Nir Perf, 3 millions 5. Ok, je vais continuer. Hein. Donc 4 millions déjà, j'ai pas vu de GPerf. Donc là, on serait sur une plus-value de 1 million. Ok, c'est toujours pas du GPerf ça. Ah, Nir Perf, moins 2 de sagesse, moins 3 de vitalité. Ok, donc ça. Ah ouais, non, il y a moins 1 d'esquive. On est déjà à 5 millions. 1%. Ok, bah je pense que c'est ce que je vous avais dit. Hein. On est sur du 6 millions. À mon avis, hop, je vais continuer. Mais je pense que c'est ça. Hein. J'ai perf, c'est 6 millions. En plus, moi, j'ai pas la rune de transcendance. Donc, ça va permettre à la personne de mettre la rune de son choix. Ok, donc 6 millions 3, moins 1 de sagesse. C'est pas encore un j'ai perf. Hein. Là, même chose. Ok, moins 2 de vita, moins 1 de vita, mais là on a une rune assez chelou. Là, 450 de vitalité. Ok, en vrai, je pense que je peux aller taper le petit 7 millions 5, voir si je suis un forceur, mettre le 8 millions. Mais là, il n'y a pas de GPerf sans transcendance. Donc en vrai, ah si, 10 millions, voilà. Donc là, on a un GPerf 10 millions. C'est exactement le même hein, que le mien, de toute façon, c'est un GPerf. Hein. 10 millions, ok, je trouve qu'en vrai, c'est un peu cher, je sais pas. Je vais peut-être essayer de la mettre à 9 millions. Ouais. Je vais tenter un petit 9 millions. De toute façon, comme d'habitude, les gars, hein, si ça part pas, je baisserai le prix. Mais je pense qu'un 9 millions, c'est honnête. Je vais partir sur un 9 millions, du coup, et ça ferait une très très belle plus-value, là encore. Hein. Donc ça nous ferait plus de 6 millions de plus-value. Hein. À mon avis, de toute façon, c'est sûr, je me ferais 4 millions de plus-value. Donc c'est-à-dire, je la vendrais autour de 6 à 7 millions. 6 millions, c'est 3 millions de plus-value. Et puis bah, 7 millions, c'est 4 millions. Donc en vrai, c'est franchement très très bien. Hein. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Donc là, j'ai dit que je la mettais à 9 millions. Hop, ça part en vente. Et ce qui clôture la vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.